Écoutez, aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau avec Thomas et son père sur un petit parcours sur lequel je suis déjà venu pêcher l'été dernier. Voilà un petit contre-canal du Rhône comme on peut le voir derrière. Donc la particularité de ce contre-canal, c'est que y a beaucoup d'herbe au fond. Donc avant d'installer la station, etc., j'ai pris le soin de sortir la canne, de sonder une ligne pour essayer de voir s'il y avait un petit passage au fond pour pêcher. Donc c'est la particularité, ça va être compliqué de pouvoir bien pêcher avec ces herbes au fond. Je me suis décalé un peu sur la gauche, on a pris le soin de s'espacer entre les trois pêcheurs. Bon, Thomas va pêcher avec ses cannes feeder un peu carpiste là, on ira peut-être le voir tout à l'heure. Donc de manière particulière avec des pop-up, des trucs sur lesquels je ne sais pas encore pêcher. Voilà, au niveau de l'amorce, bon, rien de particulier, je l'ai déjà mouillé ce matin. Une base de turbo avec de la feeder pour mettre des particules de couleur, parce que au niveau des poissons qu'on est susceptible de prendre ici, faut pas se mentir, c'est des gros poissons, des carassins notamment, des beaux carassins, des belles brèmes et peut-être, j'espère, des beaux gardons. Voilà, s'ils répondent présent. Ça sautait un petit peu ce matin, donc on a ça saute un peu en face, il y a quelques carnassiers. Donc on espère toucher quelques poissons. Je vous ferai voir tout à l'heure au niveau des lignes ce que j'ai monté. Au niveau des appâts, ici, même bien qu'on soit dans des températures hivernales, bon, aujourd'hui il fait quand même assez doux, on ne va pas se plaindre. Pour un mois de janvier, on ne va pas se plaindre. Du maïs, et oui, du maïs. Quelques terreaux prêtés par mon Thomas. Voilà, des asticots, des pinkies, et j'ai mouillé quelques pelés. Voilà, des pelés de 2 pour histoire de compléter avec l'amorce, parce que je sais que Thomas à côté il va pêcher à ça. Donc on va essayer de toucher des poissons. Allez, je vous dis à tout à l'heure, je vous présenterai mes lignes et on fera le point tous ensemble. Voilà, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter les lignes que j'ai décidé de monter aujourd'hui. Voilà, alors... Un petit agram en SPM53, bon, c'est que des flotteurs Garbolino. Donc avec une antenne, comme on peut le voir, plastique assez importante. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas chercher la sensibilité, on n'est pas dans une pêche de gardon. Et après, on est sur les flotteurs plats, les SPF16, là, les nouveaux, de chez Garbo, avec antenne interchangeable. Donc ça, c'est hyper pratique. Et pareil pour le 3 grammes. Voilà. Donc au niveau du réglage, bon, là, je traîne de 2-3 doigts. Avec le 1 gramme, donc il y a quand même un petit courant assez soutenu. Donc c'est histoire de faire une pêche à la passer avec le 1 gramme, quelque chose d'assez souple. Et puis après, derrière, d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable avec les flotteurs plats. Voilà pour ce qui concerne le petit point au niveau des lignes. Comme je l'ai précisé tout à l'heure au niveau des éches, bon, on peut le voir, j'ai rien à cacher. Là, c'est le fond d'amorce qui me restait d'hier. Et au niveau de l'amorce, donc là les amis, bon, rien de particulier au niveau de l'amorçage, coupelle comme j'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai préparé, c'est simple, j'ai mis un petit bac sur le côté comme celui-ci. Je prends 6 poignées d'amorce là, et puis bon, j'ai mis un peu de pinky et un peu de maïs. Vraiment très très peu, ouais, histoire de... Je mets 6 boules au départ. Alors c'est pas des grosses boules, voilà, vu mes mains, voilà, ça reste des petites boules quand même à la coupelle. Ça, c'était ma 6e boule. Voilà, bon, petit parcours sauvage. Donc on a une approche forcément
sauvage, ça ne veut pas dire qu'après, cet après-midi, je vais mettre à taper parce que le poisson rentre pas ou pour essayer. Parce que la pêche, on ne sait jamais, comme je vous ai dit, sur la manière dont les poissons vont répondre. La petite particularité aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur un parcours sur lequel il y a des beaux poissons. Donc aujourd'hui, j'ai pris des kits Stripa, comme j'avais pu déjà vous le montrer. Ça, c'est les élastiques de 1,2 creux qui sont montés sur un Stripa. Donc si j'ai vraiment un beau poisson, beau carassin ou des belles brèmes avec des beaux rushs, ça permettra de les contrer. Et puis bon, comme on a de l'espace, de manière à aller les chercher un peu plus loin. J'espère vous montrer de la tension de l'élastique aujourd'hui. Allez, on se retrouve tout à l'heure, on va aller boire le café et on se mettra en action de pêche, en espérant piquer quelques beaux poissons. Bordu. Bon, ça fait une petite demi-heure qu'on pêche. Très compliqué pour moi. Et là, ben, premier beau poisson, on va dire. Passe une brème. Ah, un carassin. Puis vraiment avec la petite ligne. On va devoir mettre la bourriche à l'eau. Carassin, c'est beau petit carassin. Ça c'est magnifique. Allez, je vais mettre la bourriche et puis on est reparti. Voilà, on a quand même des très très beaux gardons. Ça c'est juste magnifique ça. Voilà, très très beau spécimen. Magnifique. Toujours au 2 grammes, asticot. Donc je rappelle régulièrement. Après, le petit truc que je viens de voir, c'est que le gardon, je l'ai eu. J'essaye de prospecter un maximum. Donc là je pêche sur 20-30 cm comme je vous ai dit. Et là j'ai essayé d'aller voir derrière. Donc je jette la ligne vraiment derrière, je la laisse tomber et puis après je la bloque de manière à ce qu'elle soit pêchante mais 30-40 cm derrière voilà, le coup initial. Et j'ai déclenché cette petite touche. Donc on va voir si, si ça continue. Je vois que Jean-Loup a notre aile qui est normalement meilleure. Il a un peu de mal parce qu'il pêche au vert de base. Bon, deuxième touche, au flotteur plat. Ça va décrocher. Hein? Sois pas mauvaise langue. Bon, ça reste du petit carassin, je pense. Ah non, belle brème. Belle brème. Doucement. Ah oui, beau plateau. Donc là avec quelque chose de très stable. Oh là, carrément gobé. Oh là, voilà, très belle brème. Comme ça, j'ai remis une boule de rappel. Je vais remettre et puis on va repartir sur le 2 grammes. C'est bon signe.
Avec le 1 gramme, c'est assez compliqué. Par contre, il faut vraiment pêcher. Je pêche sur 30 à 40 cm. Donc là, c'est hyper pratique la barre d'amorçage. Parce que on va voir, je pêche vraiment dans 20 cm. Parce qu'après, j'ai des herbes. Donc c'est impêchable. Donc quelques grains de maïs. Rien de. Voilà. J'aime bien aussi mettre quelques pelés de 2 mm ici. Dans l'amorce. Voilà. Quelque chose d'assez. D'assez lourd, mais qui travaille finalement. Ouais. Donc on est reparti. Donc là, comme vous l'avez compris, le but c'est d'être de pêcher très très précis par rapport aux herbes. Donc forcément, l'amorçage à la main, on oublie. Hein. Il faut prendre le temps de bien amorcer à la coupelle de manière à essayer de mettre les boules très très précis et de pêcher dessus, hein, tout simplement. Donc là, j'avais mis un asticot avec deux pinkies rouges. On va refaire le même test. Hein. On est parti. Donc là, le soleil sort avec de bonne augure. Donc on dépose tout doucement la ligne là où on a posé les boules. Le sillon vraiment limite dans l'eau et là voilà que la ligne elle pêche, le 2 grammes il est vraiment très bien équilibré avec une petite antenne, donc la moindre touche on la voit. On va essayer de refaire du poisson, s'il y a quelques brèmes et quelques carassins sur le coup, ben, ça sera bien. En tout cas on n'est pas capot, donc très très bien. C'est pas très gros. C'est pas très gros, mais bon. Ça reste un très très joli garde. Il a pris hyper confort d'ailleurs. Voilà. Super gardant. Bon. Ben là j'essaye d'agrainer des asticots de manière à toucher quelques poissons quand même. Quelques gardons. J'ai pas d'autre choix parce que j'ai plus rien. Donc on va continuer comme ça. On va mettre quelques boules, j'espère que les beaux poissons vont finir par rentrer. Pour l'instant je vois pas de bulles. Donc je fais un petit bouquet de pinky, 4-5 pinky rouges. Par contre là je traîne de au moins 25 cm. J'ai rajouté du fond. Toujours du petit gardon. Je profite justement de la prise de ce petit gardon pour répondre à quelques questions que j'ai concernant mes plombées. Voilà, j'ai quelques personnes qui me demandent si en cours de pêche, il m'arrive de changer les plombées sur mes lignes. Alors oui, bien souvent et bien régulièrement, justement de manière à avoir quelques lignes souples et d'autres plus... plus stable, vraiment plus dur, donc avec des plombées qui sont vachement basses. Là, bon, typique, j'irai 20 cm au-dessus, 25 cm au-dessus la plombée principale. Et là, j'ai mis deux plombs de touche.
Voilà, de manière à avoir les belles touches, parce que c'est une antenne un peu porteuse. Donc ça passe bien à ce niveau-là. Après, oui, ça m'arrive d'avoir une plombée beaucoup plus haute, plus étalée aussi, s'il faut pêcher avec une éche qui descend doucement dans la couche d'eau. Donc oui, c'est un conseil que je peux donner, de ne pas toujours garder les mêmes plombées. À la pêche, on s'adapte, donc essayer de toujours changer les plombées de manière à prendre le maximum de poissons, de voir comment le poisson réagit, et puis d'adapter par rapport à ça. Il y a des moments où on privilégie une éche qui soit hyper stable, donc une plombée très basse, et d'autres où il faut une éche qui soit très souple, une présentation de ligne très souple. Donc là, on va avoir tendance à monter relativement les plombs assez haut, avec justement 2-3 petits plombs, de manière à ce que la ligne descende vraiment doucement et attire le poisson. Donc oui, il faut changer régulièrement ses plombées et pas rester à des plombées typiques. On commence toujours avec des plombées typiques, type du Nord ou plaquettes, etc. Il y a des plombées, je pourrais revenir sur les plombées que j'utilise. Bon, du Gardon, c'est en général ça, un plomb de touche. 15 cm au-dessus, un petit plomb. Et puis après, 5 cm au-dessus, la masse principale. Ça, c'est un montage Gardon, voire plaquette aussi, ça passe bien. Ça, c'est le montage sur lequel je fais mes débuts de pêche. Après, oui, je change, je varie par rapport aux touches. Et puis après, c'est ça aussi, on s'adapte. Hein. Si on n'a pas de touche, on essaye de trouver le bon compromis. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas en tout cas. Hein. Voilà, ça me fait plaisir de pouvoir y répondre quand j'ai la solution, ou de moi le petit truc. Parce que j'ai pas tout. Voilà, j'ai pas toutes les cordes à mon arc, mais voilà, sur certaines questions, je peux y répondre. Beau Gardon, oh, très belle couleur, sont magnifiques. Bah, il faut. Hein. Donc là, vous avez vu un petit agrainage. Et puis on arrive à pêcher propre, voilà, juste à rasette. Donc comme quoi j'étais parti vraiment au départ sur une pêche plutôt stable, plutôt de beaux poissons. Et finalement, je m'aperçois que bon, les beaux poissons ne sont pas au rendez-vous. Donc on s'adapte et on essaie de prendre ce qui passe. Il y a des beaux gardons qui viennent d'arriver. Donc ben, voilà, c'est une pêche que j'apprécie également. Hein, donc voilà, puis ça permet de se remettre dedans dans le côté agrainage aussi. Voilà, j'ai même pas le temps de faire tout le direct. Voilà. Gardons répondent très bien. Ce côté agrénage. Puis c'est des beaux gardons, on va pas se plaindre. Oui, ils sont dans la morse. Bon, ça crache la morse. Ils sont vraiment rentrés dans la morse. Ce matin, je les avais pas du tout. Et là, en mettant 2-3 coupelles juste avant d'aller manger, je vois que ça répond bien. Ah, Thomas à départ. Voilà. Entendu le carpiste. Voilà, poisson, beau poisson. Je crois que c'est une carpe. On va aller voir peut-être. C'est quoi Thomas? Ah. On va aller voir Thomas. Ça permettra de. Une brème. Oh. Aux méthodes. On est avec Thomas qui vient de faire son deuxième poisson. Voilà, une belle petite plaquette, on rigole.
Voilà, qui repart. Allez, coincé au bord, lui. On va y aller. Ouais, elle repart tout doucement. Ouais. Très bien. Alors, fais-nous voir un peu ta méthode de pêche, un peu qui sort un peu de la pêche au cou traditionnelle, j'ai envie de dire, parce que si je te traite de carpiste, je pense que tu vas pas être content. Alors, c'est une pêche aux méthodes feeder, voilà, avec des cannes Corum, c'est ça? C'est ça. Alors, des cannes heavy, donc qui sont assez, voilà, c'est assez grosses. Hein. Le montage tout simple, sans prise de tête. Pas comme Mister qui s'est mis à pêcher avec des stations et des cannes à 1500 euros. Oui, mais oui. Mais tu l'as quand même la station. Oui, tu vois, je la prends de moins en moins. Voilà. Donc ça, c'est sa pêche un peu traditionnelle. Il pêche au 3 quarts. Il a fait un petit carassin, une brème. Comme quoi, voilà, on n'est pas. Et là, il est parti pour le run. Pour le run derrière. Avec merci, des mon Thomas. Cages. Ouais, avec des grosses cages. Écoute, on va voir si tu fais un beau poisson. Ah ben, c'est prévu. Belle mémère. Donc là, fin de la partie de pêche. Je regarde toujours l'effet de la morse en début de pêche. Jette une boule au bord. Là, on peut voir un peu l'action de la morse. Voilà, une amorce assez sombre qui travaille quand même un peu. Là, on voit que ça libère pas mal de particules. Voilà. Voilà, c'est toujours sympa de regarder un petit peu son amorce, comment elle travaille. Ouais. Au départ, c'est quelque chose que je fais. Bon, les amis, une partie de pêche qui se termine avec de beaux poissons malgré tout, hein, même si voilà, c'est pas une pêche estivale, on va dire. Je vais m'empresser de remettre tous ces poissons, 5,2 kg. Voilà, des brèmes, de belles brèmes. Un petit carassin et le reste des beaux gardons, dont celui-ci là. Magnifique. Donc je vais pas trop les abîmer, j'aime bien les remettre à l'eau. Je vais les remettre à l'eau et puis après on fera un petit débriefing. Allez, remise à l'eau des poissons. Reparti, c'est aussi ça la pêche, prendre soin des poissons, ça reparte bien et qu'il n'y ait pas de, même s'il y en a un ou deux de temps en temps de mort, mais moins que ça reparte. Allez, petit débriefing. Voilà, ben les amis, petit débriefing après la pêche comme j'aime bien le faire. Donc une pêche finalement agréable, même si c'est pas celle dont je pensais à mon arrivée, comme quoi ben on s'adapte toujours. Qu'est-ce qui a été différent? J'étais parti sur une pêche, comme je vous l'expliquais, de beaux poissons dès le départ, avec vraiment une amorce qui tienne le fond, qui ne travaille pas énormément, voilà, mais avec quelques éches quand même. Et les poissons et les gros poissons ne sont pas venus en masse. Voilà, peut-être des poissons de passage, comme j'ai pu faire, la brème, les deux brèmes, le carassin. Et puis quelques beaux gardons à travers. J'aurais peut-être dû partir sur une pêche typique de gardon et voir justement avec les beaux poissons si il y en avait. C'est un parcours sur lequel il y a énormément de beaux poissons. Après, on n'est pas en période estivale, on va pas se plaindre, hein, c'est quand même une pêche hivernale, il fait relativement froid, l'eau est froide, hein, donc les poissons réagissent différemment.
Après, au niveau des lignes, j'ai pris bien avec la 1 gramme. Si j'avais su, je serais parti sur une ligne un peu plus légère, 0,60, 0,70, de manière à être encore plus souple pour les pêches de carassin et les garderons aussi, même si la 1 gramme, c'était satisfaisant. Voilà, tout est dit au niveau du débriefing. L'amorce, vous l'avez vu, je serais peut-être parti sur une amorce qui travaille un peu plus, peut-être type un peu plus gardon, voilà, avec un peu plus de super cup, comme j'ai l'habitude de mettre, une amorce qui, avec du copromélacé, qui va travailler beaucoup dans la couche d'eau. Là, c'était pas ce que je voulais faire dès le départ, donc je voulais vraiment faire une amorce qui tienne le fond, comme on a pu le voir, avec 70% de terre. Donc c'est l'amorce qui tient super bien le fond, avec pas mal d'èche, du maïs, et puis ben, un agrénage par-dessus. L'agrénage a fonctionné, mais c'était pas encore ça. C'était vraiment des touches de gardon. Les gardons restaient pas non plus, c'était des passages. Il fallait vraiment rappeler tous les quarts d'heure, mettre une boule d'amorce, parce que sinon les poissons partaient, on n'arrivait pas à les tenir. Donc ça, c'était le côté pêche. tout est dit. Voilà, je vous souhaite de passer encore de passer une bonne année 2022 avec surtout la santé, surtout dans ce contexte actuel où on sait pas trop où on va. En tout cas, amis pêcheurs, je vous souhaite forcément une bonne année halieutique avec beaucoup de poissons. J'espère qu'elle sera bonne pour moi. En tout cas, bon, ça va, elle commence bien, la première pêche de l'année. On va pas se plaindre, il fait encore bon. J'ai bonbonné, mais il fait quand même doux. Voilà. Merci encore de me suivre sur ma page. Ça fait super plaisir. J'espère avoir répondu à quelques questions que j'ai pu avoir ces derniers temps, surtout sur les plombées, etc. J'ai essayé de faire une explication. Bien qu'on n'ait pas 20 kg de poissons à montrer, ça fait partie aussi de la pêche de montrer les poissons qu'on attrape. Aujourd'hui, ça n'a pas été une pêche formidable à faire 20 kg, mais c'était une pêche agréable parce qu'il a fallu chercher, il a fallu s'adapter, et c'est le plaisir de la pêche. Allez, n'oubliez pas les amis, le petit pouce bleu, on reste fidèles. Voilà, vous pouvez vous abonner également, ça ne coûte rien. Et je vous dis au plaisir au bord de l'eau. Allez, salut les amis!